Et plop les gens. C'est donc sur cette fin de musique que je vous retrouve sur Zear Billions. Pour continuer la campagne, alors je vous retrouve sur la page d'accueil tout simplement pour vous montrer que j'ai quand même. Alors, je n'ai pas joué de mission de campagne du tout, mais j'ai fait quelques missions. Donc vous voyez que là, j'ai déjà tué presque 85 000 infectés. Et voilà. Et je voulais aussi vous montrer les scores. Donc, si vous voulez regarder rapidement ce que j'ai fait voilà, avec des parties qui se sont totalement foirées et pas mal qui sont allées un peu loin. Hein. Alors c'est celle-ci qui a le plus de points, mais c'est logiquement pas celle où je suis allé le plus loin. En vrai, ça doit être celle-ci où je suis allé le plus loin. En pourcentage de jours, ce qui est un peu compliqué, puisque voilà. Mais le score forcément est multiplié, est bien mieux multiplié là que là, donc ça. Voilà. Mais je n'ai jamais atteint la victoire, mais en escarmouche, là, le mode survie, j'ai pu. Enfin, voilà où j'en suis en fait. Je me suis un peu. Si vous trouvez que je me suis amélioré au jeu par rapport au dernier épisode, c'est peut-être grâce à ça. Une zone qu'aucune unité ou bâtiment ne peut voir sera grisée. Oui, on l'a déjà vu. Où en étions-nous? Celle-ci, on l'avait fait. Celle-ci, on l'a fait. Il nous. Bon, voilà, c'était les deux hordes à faire. C'est donc parti, hein. Celle-ci a beaucoup moins d'infectés et il me semble qu'elle est. Alors, colon infecté. Je crois que c'est que des rapides pour les deux vagues, mais ici il y en a beaucoup moins. Ouais, il me semble que c'est des rapides, c'est un peu compliqué à savoir. Donc, il y a une horde de 664 infectés au milieu de la route. Pour dégager la route et continuer à développer les colonies sur cette voie, vous devez d'abord détruire les hordes avec l'armée de l'Empire. Condition de victoire, détruisez tous les infectés, résistez à toutes les hordes d'infectés. Condition de défaite, l'avant-poste ne doit pas être détruit ou infecté. J'ai du mal à comprendre comment les choses peuvent être détruites, mais. Voilà. Donc là, théoriquement, ça va être une mission. Pardon, théoriquement, la mission devrait être un peu simple. Un peu comme la première horde que j'avais passée. Je pense. Là, il n'y a rien de garanti, bien sûr, mais. Mais je pense que ça va se faire comme ça. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 10, 11. 12, 13. Ça fait beaucoup. Okay. 16, 18, 19, 21, ouais non ça fait beaucoup si on voulait mettre des barrières, donc on va mettre que des soldats. Hein. On va ne mettre que des soldats, on va les mettre sur ce deuxième anneau à peu près et puis. Et voilà, on verra après. Pour les rentrer. Voilà. Il me reste encore pas mal de thunes ici. J'ai l'impression qu'il en manque un peu. Ici, ça devrait aller. Ici aussi. Et là, on va pouvoir avoir une ranger en plus. Qu'on va mettre là?
Voilà. Et on va croiser les doigts pour que ce soit pas... J'ai oublié le nombre d'infectés. C'est un peu dommage qu'il soit pas réaffiché ici. Et 600, donc... Ouais. Allez. Allez, allez. Peut-être même qu'on peut les... Hop. Non, 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 je vois pas du... Waiting on orders. At your service. Just tell me what to do. Alors vous ne bossez pas encore, oui, ça arrive. J'ai un peu peur que pareil, vous aviez du mal à bosser. Donc ici, toi t'es déjà en train de crever. Oh, il y a personne qui passe par là, donc tu vas venir. Par là, il y a déjà un bon contingent sur la gauche. Voilà. Ouais. J'ai oublié. D'abord les cibles prioritaires. C'est d'ailleurs comme ça que tu sais qu'elles sont prioritaires. Ici c'est un peu la merde. Hop là, hop là. Hop, venez là. Il y a peut-être beaucoup trop de monde qui est mort déjà, hein, mais... Ils étaient trop laissés approcher, du coup ils attaquent partout le sud et le nord, ça va. Bon alors, gestion de l'armée pas ouf. Malheureusement, la mission a échoué. Passez en revue les objectifs et conditions de défaite de la mission et essayez à nouveau. Ou sélectionnez une des autres missions disponibles. Vous pouvez également modifier la difficulté des missions sur la carte des missions. Oui, bon, je sais. Hop. Non, en vrai mettre des petits plots, peut-être que ça passera. Peut-être pas partout autour, mais genre. Là, là, là. Ici. En vrai. Là. Ici. Ah, je peux maintenir le clic. Bon, du coup, j'en ai un peu trop mis sur au sud, mais c'est pas si grave. Start, oui. Ah oui, et vous tous, je veux que vous visiez en priorité les cibles prioritaires. Puisque ça tank à combien? On peut plus voir si 300 au lieu de 160 d'un soldat. Effectivement, c'est quand même une belle différence. Alors toi, tu vas là.
Vous deux, vous allez là. Et vous, vous allez tous là, vous. Essayez de passer par là. Hop, là j'aurais besoin d'aide. Revenez tous au centre. Et essayez de survivre. On voit le compteur qui fond, hein. On en a déjà fait plus de la moitié, mais on n'a plus beaucoup de soldats non plus. J'aurais peut-être dû prendre la... Enfin, j'aurais dû prendre la Ranger pour la faire se balader. Punaise. Pour essayer de les attirer. Ok, ça ne marche pas non plus. 190, il reste. Ouais, les missions de Horde, ça... Enfin, de où on a une armée fixe, ça a toujours été mon Némésis. Alors, comment on peut faire ici? À quel niveau on peut mettre les barricades? Genre on doit les mettre jusque là quoi. Donc on va dépenser... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... On va dépenser 10 plus 10. 10, 20, 30, 40, ouais seulement 40. 40 sur... Ah théoriquement c'est faisable hein. On met la même en face. 2, 3. Alors. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, on va mettre ces barrières-là. Et non, c'est clairement pas 40 points que j'ai dépensé. C'est beaucoup, 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 beaucoup plus. C'est 400 points, c'est ça? Je me suis trompé puisque c'est par 10. C'est... Ouais c'est ça, j'ai dépensé 400 points juste pour avoir des belles barrières. Et avoir des gens là et elle dehors. Dehors, trop bien, je suis heureux. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, et je crois qu'elle est là, et elle est morte, oui. Ah, c'est pas mieux, hein. Oh, punaise. Encore un soldat en vie. Non, c'est clairement pas mieux du tout. Je sais pas pourquoi j'ai cru que ça allait coûter
40. Mais évidemment que ça allait coûter 400, c'est 10 par 10, pas, pas un par un. Je sais même plus comment on l'avait fait l'autre mission, mais il me semble qu'on avait juste mis des soldats. Et on n'est pas obligé de mettre des trucs là comme ça de partout. On peut en mettre juste aux endroits un peu intéressants. Genre là, de là où ils arrivent pas vraiment, donc on peut en mettre juste un là. Et théoriquement, ces deux-là, ils se feront pas beaucoup attaquer. Ah, ou alors j'aurais pu mettre là et là. Avoir une poche avancée qui... Ah. Ici... Ici, il y en a beaucoup qui arrivent par là. Hein. Là aussi, ici ils arrivent tout le monde. Tac. Ils arrivent en bon coin. Ici, ils suivent plutôt cette route là. Ouais, on va essayer comme ça. Donc là il y en a pas mal. Là on peut... J'avais dit quoi? J'avais dit... Essayez comme ça quand même ici. Ici il nous faut des soldats. Non. Ici il nous faut pas mal de soldats d'ailleurs. C'est vrai qu'ils arrivent quand même par là pas mal. Hop. Et gratuitement, ça veut dire rembourse et rembourse. Donc eux, je les mettrai là. Vous êtes bien par là. C'est bien par là. Par en haut, par en haut, ça se passe comment? Tac tac. Ah, ici on pourrait enlever celui-ci et avoir plutôt des barrières comme ceci. Peut-être une là et une poche de soldats là. Là, il nous faut quand même des gens. Voilà. Ça me paraît plutôt bien. Donc, vous, vous allez là, j'ai dit. Vous, vous vous mettez par là. Ou ici. Vous trois, peut-être là. Vous autres, là. Et vous, là et là. Allez, go. Qu'est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas, toi? Et vous, vous, il manque des gens, là. Il va falloir quand même des gens. Même si j'ai l'impression que ça change pas grand chose, qu'ils sont un peu tous du même type là, les zombies. Mais... Vous vous dédiez ici, vous, vous faut que vous reculiez. Damn it. No. Tell me.
Vous faut que vous reculiez ici, vous aussi. Vous aussi et vous carrément là. J'avais plus de gens qui survivaient. C'est trop dur les missions de horde. C'est pas mon genre, punaise. C'est mûr pour fermer les accès. Oui, oui, bah oui, mais oui, mais non. Bah oui, mais non. Qu'est-ce qu'on fait? Côte osseuse, moi je suis tenté, hein, mais. En soi, je voulais aussi atteindre les mines du corbeau. Ça va être une mission de niveau 1, ça. Peut-être aussi, mais bon, il y a beaucoup de monde. Est-ce que vous pensez que je réussirais celle-là? Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'il y a quand même énormément de monde. Essayer au moins une fois que ce contingent là avait bien réussi. Donc pour bien réussir, ils avaient ça. Ils n'avaient que 3 barrières et ils étaient genre 6, 7, 8. Voilà. Là, ils sont larges. Ici, je voulais faire la même chose, mais ça n'a pas du tout aussi bien marché. Est-ce que je peux avoir une bulle comme ça que de protection? Ici c'était pas mal, mais ils sont pas mal fait attirer là-bas. Là c'est beaucoup trop large. Il y en a qui arrivent d'ici. Au final on peut bloquer là, hein, et mettre des gens ici. Mais genre ici c'est la misère. C'est toujours la misère, je vais rajouter. Pas qu'il se fasse trop déborder par le côté, donc on va rajouter un là. Ici c'était pas mal cette idée de... Je sais pas trop combien je vais en mettre, mais théoriquement un petit nombre quand même. Voilà. Et maintenant ici aussi j'ai pas mis je pense que là ça devrait tenir au nord. Alors maintenant à quel endroit on peut se mettre des poches de protection, parce que là ils arrivent. Là on peut avoir une petite poche, on peut l'agrandir comme ça. Ce qui m'embête c'est que c'est que de ce côté. Là on peut avoir la même ici. Hop et hop. Donc là c'est une double zone.
Hop, ici, 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 là, et là. Et maintenant, ceux qui viennent un peu du haut, ceux qui viennent un peu du bas. Au pire, je rajoute juste des soldats. Je peux rajouter 9 soldats du coup. Qui seront censés revenir un peu plus vite ici peut-être. Bon, là, 2 soldats qui peuvent tirer juste ici, ça peut être très bien. Ah, ici ça aurait pu être pas mal aussi. Quel endroit il y a des petites crevasses comme ça aussi. Ici il n'y en a pas, hein, il y a... Ici il y a un truc, mais c'est plutôt là que j'aurais dû, que je voudrais protéger. Peut-être avec une barricade ici. Et des soldats derrière. Embuscade. Alors, hop, hop. Là ils sont un peu à poil, mais j'aurais pu en mettre un troisième là. Toi tu viens là, ouais. Alors où ça exactement? Ici, ici il y en a 2 pour 2, ça va. Ici c'est la merde, ok. Ok. Ici il faut quelqu'un. Voilà. Ici j'aurais dû protéger. Là j'aurais pu mettre juste 1 et 1. Et les protéger eux, parce que là ils sont... Eux deux sont dans la mouise. Alors, vous, venez là aussi. Ça devrait aller. Non, vous venez là le plus vite possible. Ouais, vous venez tous là. Si tu peux venir ici, c'est cool. Non, tu pourras pas. Pas mal, c'était pas mal, mais je me suis fait submerger par en bas, j'avais mal protégé. Allez, un autre essai, hein. Mais eux, ils étaient peut-être pas assez nombreux, mais surtout pas assez protégés. Donc là, j'avais fait ça, 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 et ça, et c'était super. Auquel on va rajouter un ici ou là.
Là j'ai trop de risques. J'ai pas mal de risques qu'il fasse le tour là. Mais... ouais non. Ensuite, une barrière ici, une barrière là. Ici, là, et là, je pense que ça suffit. J'ai pas besoin de celle-ci. Ici, ici, c'était pas mal. Et c'était pas mal avec juste trois soldats. Ils ont. Je vais en mettre un quatrième quand même. Il y a juste lui qui s'en va. D'ailleurs, le mettre plus loin. Ou je mettrai une ranger ici. Non, un soldat. Parce qu'ils arrivent par là, je pourrais essayer de maintenir ici. De là, faudra qu'ils viennent là, faut pas que j'oublie. Ensuite, au nord ici, c'était la misère, mais ils résistaient. Là, ici c'était facile, faut que j'en mette moins. Ici c'est toujours énormément la misère. Et je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Donc ici on va mettre 1, 2, 3, 5, un truc comme ça, je pense que ça. Ça pourrait la suffire. Et ici, il en faudra plein. Ici, on peut faire ça. Et il nous en faut deux là. Trois peut-être. Ici, il en faut trois et deux. Un là. Il me reste combien? Il me reste un petit paquet, mais pas énorme. Ouais, j'ai pas besoin d'en mettre en bas. Et là, combien je peux en mettre? Ici, peut-être en mettre un troisième quand même. Si ça devrait aller, ici, ça devrait aller. Ça va, mais c'est une grosse vague. J'ai peut-être un peu négligé au nord cette fois. Voilà. Allez, voyons comment cette fois-ci se passe. Ils ont déjà pété la barrière, ok. Ici, la barrière tient. Ici, ça tient rien du tout. Vous... non, vous deux là plutôt. Ok. Là, ça a pas bien tenu. Moins que ce que je pensais. Ici, ça tient relativement correctement. Ouais,
Alors vous, il y a trop de monde ici. Hop, vous venez là, vous venez là dès que vous pouvez, ouais. Vous êtes déjà en train de venir, vous allez crever à peu près quoi qu'il arrive. J'ai l'impression que c'est bien mieux fait là. Oh, tu vas faire le pigeon. Non, ok. Et ben voilà. Moins 50%. Donc si on l'avait réussi du premier coup en 100%, on aurait eu ce score final là. Bien, bien, super. On avance. Non, ça c'est quand on fait les missions de héros. On va essayer de se faire la deuxième horde d'infectés là, qui est deux fois plus grande. On a 100 points d'empire de plus, donc 5 soldats de plus. Alors. Oui, je suis au courant. Alors, ici, il n'y a pas besoin de protéger, ils passent par. Ils arrivent là. Là, on peut se bunkeriser ici pour. Ça peut être pas mal. Ici, on peut mettre là. Et là, on met masse de soldats. Je pense qu'il faut faire un peu la même chose en face. Ici, ce serait le mieux, mais j'aurais aimé que ce. Parce que là, il se fait attaquer par cette case-là, un petit peu cette case-là et cette case-là. Cette barricade, et du coup, elle va tomber très très vite. Une barricade qui tombe instantanément, elle sert pas à grand-chose. Alors, je la mets là ou là. On peut la mettre là. Hein. Ouais. Donc ici des gens, mais il faudrait un pigeon qui attire la masse, quoi. Ou alors réussir à trouver un moyen de faire la même chose de l'autre côté. Et ça m'a l'air plus tendu d'avoir des zones qui sont bien protégées et derrière lesquelles on peut mettre masse de soldats. D'ailleurs, la horde précédente, les soldats étaient et le ranger quand je les embauchais étaient niveau vétéran, alors que là ce sont des simples soldats. Je peux en mettre un de plus ici pour faire la formation ici.
Non, bah là, hein, je vais devoir. Parce qu'il vaut mieux que. Il vaut mieux qu'ils tirent tous au même endroit. Et ici, ici, par contre, ça sera plus dur de tous les faire tirer au même endroit. Je peux les mettre là, mais j'ai peur qu'ils se fassent trop agripper par la. Trop tirer à gauche. Autrement, je les laisse là. Cette zone là elle est hyper bien pour bien se défendre, on peut. Mais faudrait un pigeon qui les attire jusqu'ici. Quand on pense à des pigeons, on pense à des rangers en général. Non, sur la gauche ici, là, j'ai. Parce qu'il y a une énorme troupe qui arrive. On en attire une moitié, mais on n'attire pas tout normalement. Et faire ici, ça va être trop. Enfin, ils vont tout détruire. Ici, ça paraît loin, mais pourquoi pas. Genre quelque chose comme ça pour qu'ils puissent quand même revenir ici, il va falloir qu'ils puissent revenir. Je le sens. Je le sens. Comme le nez au milieu de la figure, je le vois. Je le prédis, tout ce que vous voulez. Ouais. Ouais, parce qu'il y a quand même deux fois plus de monde, c'est vrai. Pendant la vague. Je suis en train de me rappeler. En fait, faut que tu les attires d'abord ici. Si tu peux. Parce que là, ils arrivent en trois branches, mais. Vers vous. Voilà, vous. Faut que vous alliez là. Vous, faut que vous alliez là. Et vous, faut que vous alliez là. Elle est déjà morte. Super. Alors, vous pouvez aller là. Ouais, vous pouvez avancer. Aussi, va là. Ouais, là j'aurais aimé pouvoir en profiter. Et bien donc toi tu vas aller là. Voilà. Vous attaquez ça, vous attaquez ça, c'est très bien. Vous pouvez avancer en fait. Hein. Vous êtes en train de crever. Ah bah oui, ils font ce qu'ils peuvent là-haut.
comme ici. Alors toi, tu vas rester là, quelques-uns là. Hop, et vous. Vous allez reculer ici. Vous aussi. Ok, il y a quand même un grand nombre encore. Hop, vous vous montez, vous attaquez vers le haut. Et vous, faut que vous veniez en bas surtout. Au global. Et vous, dès que vous avez fini, vous venez là, mince. Même que vous veniez le plus vite possible. Et voilà comment on fait la mission avec beaucoup plus d'armées. On a perdu un peu de sous juste ici, là, on a mis des défenses. Statiques qui n'auront pas beaucoup servi, qui n'ont pas eu à tenir. Mais ce n'est pas très grave. Nous avons réussi les deux hordes. Ce qui est très bien. J'ai eu peur un moment quand même de ne pas en réussir ni l'une ni l'autre. On va en profiter de cette fin d'épisode pour voir sur quoi on s'améliore. Les turbines, j'y avais pensé, mais je me dis que c'est peut-être pas si bien que ça au final. Ouais, ça c'était pas ouf, mais ça permettait d'avoir plus de pourcentage de vie sur les unités, donc ça c'est cool. Mercenaire, un ranger, bof. Un sniper, bof bof aussi. Enfin, ça aide, hein, on va pas le dire. Le contraire. Je pensais que les défenses étaient peut-être pas hyper utiles, mais de toutes mes parties que j'ai testées en solo, en fait, ça l'est. Ça permet d'avoir 4 unités qui, quoi qu'il arrive, vont résister plus longtemps. En plus, améliorer les PV des murs, c'est cool. Ça, par contre, les pieux, je n'ai pas encore trouvé vraiment l'utilité. Je dis pas que c'est nul. Mais ça ralentit un peu l'ennemi, tu peux mettre des pieux devant tes murs, comme ça les ennemis sont ralentis, peut-être un petit peu blessés, oui un petit peu blessés, très, très ralentis, juste en arrivant sur les murs. Mais pour le moment en tout cas, je n'en suis pas satisfait. On va prendre l'atelier d'expert, parce qu'on a besoin de débloquer plus. La culture de céréales me paraît super bien, parce que ça peut permettre d'avoir beaucoup beaucoup plus de nourriture qu'on a besoin pour avoir des populations, sachant que les missions de campagne ont quand même des besoins en population. Ça c'est quoi? L'entrepôt c'est pas mal. Pas si c'est indispensable aussi vite que ça, mais c'est pas mal. Les méthodes, j'ai dit que c'était bien. Les snipers sont loin et leurs fusils imposants. Ah oui, là c'est une nouvelle unité, les snipers, ouais. Ouais, les snipers, j'en ai jamais trop utilisé, donc... qu'est-ce qu'ils valent, je sais pas s'il faut les rusher. Donc je disais, la ferme céréalière c'est bien, le marché c'est pas mal aussi, ça permet aussi de diminuer le besoin en ressources. Sinon, on a quoi? Sinon, on a les médicaments.
les dégâts des soldats, les PV de toutes les unités. Un temps de recherche des technologies, ouais. Ça c'est une techno qui est là, mais on en a besoin je pense en fin de partie plutôt. On commence à avoir beaucoup de technologies, tout ça. Les balistes c'est très bien. Mais peut-être pas contre des zombies de base tout le temps. Peut-être plutôt contre les gros fat. Non, ça c'est de l'armure renforcée, ça c'est les dégâts des rangers, d'accord. Ça c'est ok. Pour qu'au final, ça je pense pas le prendre. Ça je vais le prendre parce qu'à un moment je voudrais la baliste. Piège préfabriqué. Oh, on peut avoir une grande baliste offerte. Pourquoi pas. Pourquoi pas. À voir. À voir un peu. Non, là je vais partir là-dessus, c'est du full écho. Sachant que le marché, ça permet à la fois de diminuer les besoins en nourriture des maisons proches et de transformer les excédents. Par exemple, si à un moment j'utilise pas de pierre ou pas de fer pendant un bout de temps, ça pourra être transformé en or, qui est quand même une ressource qui est plus utilisée au global. Recyclage des cadavres infectés, or par mort. Ah oui. Ça sera du bois. Voilà, d'ailleurs, le transport qui pourrait bien matcher avec le. Bien combiné avec le marché. On reçoit régulièrement des ressources, mais si on n'en a pas besoin, parce qu'on a beaucoup de pierres ou beaucoup de ceci, cela, ça sera transformé en or. Bref, sur ces technologies, je crois que c'est ça que j'ai sélectionné, oui. J'ai sélectionné de pouvoir avancer, d'avoir un bâtiment technologique avancé. Ah oui, mais non, j'ai pas pris les défenses. Non. Non, je peux pas faire ça, il faut que je prenne les défenses hautes. Peut-être comme ça pour le moment. Donc l'atelier ne nous sert pas à grand chose, mais... Non, si, on va avoir comme ça au moins. Les défenses hautes, les tours sont peut-être pas indispensables, mais ça aide. Ça aide. Voilà, tout simplement. Je vais partir là-dessus. Bon, je pourrais avoir le stockage mécanisé, avoir des entrepôts, mais les entrepôts coûtent un peu cher. Ils peuvent permettre d'améliorer la production de tout et d'avoir des stocks plus grands, mais de tout ce qui est dans le coin. Mais les fermes, c'est un peu plus précis et voilà. Je valide donc mes choix que vous voyez là. Et on termine cet épisode sur les hordes. Il n'y en aura pas pendant, j'ai envie de dire, au moins deux épisodes, le temps que je fasse ces deux missions-là, peut-être celle-là aussi, donc peut-être trois épisodes, où nous ne verrons pas de horde, on verra plus tard, peut-être que je dis ça et que je ferai autrement. J'espère que cet épisode vous aura plu, de me voir galérer sur la première et au final réussir la deuxième. C'était pas large, mais quand même, c'était plus confortable que la première. Alors que je pensais que ça allait être l'inverse. N'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il y avait une façon de faire qui aurait été mieux. Voilà. Je sais pas si... Je pense qu'on pourra pas les refaire. Je sais pas si on peut améliorer beaucoup le score de campagne non plus. Même en refaisant l'émission avec une difficulté plus élevée. Voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à rejoindre le Discord.